Bonjour à tous, c'est Seb Pointicoot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des jeux que j'ai été racheter, des jeux d'inondation, 1 €. Allez, c'est parti! Voilà, donc on y va pour les jeux. Donc, à savoir que j'en ai acheté 15 pour 15 € donc, et il m'en a donné un gratuit. Donc allez, c'est parti. Donc on a Battlefield 3. Je vous les ouvre hein, pour vous montrer les taux. Voilà. Bon, ça va, à mon avis, ça va être poubelle. Et donc voilà, je vous montre les taux et puis je referai une vidéo. Comme la dernière fois avec les jeux nettoyés. Alors ensuite on a, donc ça c'est sur PS3, Binary Domain ou Domain, je vois. De toute façon, on ne voit pas bien le titre, trop sale. On a Condemned 2. Je suis obligé de lire sur le côté parce que je vois pas les titres. Bon, toujours sur PS3. Ensuite, on a Iron Man 2 sur Wii. Ensuite on a Halo Wars sur Xbox 360. Voilà, voilà les taux. En fait dans celui-là, une surprise parce qu'on a le jeu de Call of Duty Black Ops en plus, parce que l'autre est en dessous. Si j'arrive à le voir. Voilà le jeu de Halo Wars. Et le jeu de Call of Duty Black Ops. Voilà, on a les deux. Ensuite on continue, toujours en Xbox 360, on a Halo Reach. Voilà, on voit rien du tout, parce que tout est plein de boue. Voilà, il est complètement plein de boue à l'intérieur. Je suis en train d'en mettre partout, je vais me faire engueuler. Alors là on a Assassin's Creed Révélation en steelbook. Ouais, c'est ça, en steelbook. Et en plus, il n'a rien. Le manuel n'est même pas mouillé. Bon, je sais pas pourquoi il l'a fait 1 € celui-là. Au moment où je l'ai pris. Surtout que le truc n'a pas grand chose. Il y a un petit peu de boue, un petit coup de lingette et puis c'est. Enfin un petit coup d'éponge et puis c'est. On continue. Toujours en Xbox 360, j'ai pris Far Cry 3.
Sur les 8, j'ai pris Bleach Shattered Blade. Ouais, c'est ça, Bleach Shattered Blade. Sur 8. Voilà. Ça, c'est le jeu que j'ai repris quand il m'a dit que je pouvais en prendre un gratuit. Voilà, donc c'est un jeu de baston, je crois. Un peu à la Street Fighter. Bon, j'ai pris parce qu'en plus, j'ai vu que c'était marqué 12 euros. Donc j'ai dit que ça doit être un bon jeu. Voilà. On continue. Alors j'ai pris King Kong sur PSP. Alors j'avais déjà King Kong, hein, mais non, ma boîte est explosée. Donc j'ai récupéré la boîte de celle-là. Ensuite j'ai pris Siphon Filter Logan Shadow sur PSP, en PSP essentiel. Voilà, nettoyer. J'ai pris Gang of London, PSP essentiel. C'est un peu un GTO quoi. C'est un peu un GTA. Voilà. J'ai pris Doom 3. Doom 3 BFG édition. Sur Xbox 360. Voilà, donc on voit pas bien parce que il y a plein de buis et tout ça. L'étiquette de temps mauvais état. J'espère que je vais arriver à le ressortir tout le jeu. Bien le ressortir. On peut voir l'intérieur. Tout crade le livre. De toute façon, les livres vont aller à la poubelle. Façon. Ensuite, j'ai pris Homefront sur Xbox 360. Voilà le taux. Celui-là, je vais peut-être arriver à le revoir, où je regarde. Parce qu'il n'a pas l'air d'être trop trempé. Il faut voir s'il n'a pas collé, quoi. Ah, même si. C'est mort, il a collé. Ah, voilà, il s'arrache. Il est collé. Donc, c'est tout. Ensuite, j'ai pris Crysis 2. Bah alors là il n'y avait pas de manuel de toute façon, j'ai pris quand même. De toute façon j'ai le manuel, je l'ai foutu en l'air. Et enfin, Star Wars, le pouvoir de la force 2. Voilà. Donc voilà, c'était le dernier. Donc voilà, bon, il n'y a plus qu'à nettoyer. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la cloche si jamais vous voulez mes vidéos en notification. Voilà, merci. Allez, à la prochaine.